que retiendra-t-on de 2020 ? Une année si étrange qui se conclut avec un souvenir commun, celui de la Covid-19. Le virus qui offrait un moment de paix à la vie, pendant qu'il en tuait une autre. Travailler, voir ses amis ou sa famille, sortir, aller à un spectacle ou un concert. Tout ça n'était plus possible. À La Réunion, comme partout ailleurs, le temps s'arrête. La vie sociale prend un coup et l'île Intense est privée de son événement majeur, le Grand Raid. Mais cela n'a pas découragé un groupe de sportifs situé à Saint-Pierre. Pour apporter leur soutien, ils se sont mis en tête de réaliser un incroyable défi. Un défi à la hauteur du Grand Raid. Pour comprendre l'origine de ce défi, il faut remonter quelques mois en arrière. C'est à la salle CrossFit Santa Apollonia que l'équipe des Chevrettes se prépare pour le Grand Raid. Victorieuse du Zambrocal en 2019, c'est Michael Lopez qui les coach dans le but de réaliser un nouvel exploit pour l'édition 2020. Suite à son annulation, pas question d'abandonner. C'est là que l'idée d'un défi voit le jour, mais pour quand ? Ce challenge part des Chevrettes, bien sûr. On devait partir sur le Grand Raid à 22h le jeudi 15 octobre. On commencera, nous, le jeudi 15 octobre à 5h du matin. Même jour, et un défi qui va prendre ses racines dans les caractéristiques de la course la plus difficile du Grand Raid, la légendaire Diagonale des Fous, en prenant comme point de référence sa longueur et son dénivelé. En clair, chaque équipe devra effectuer 165 km au rameur et à la course à pied pour la distance, ainsi que 20 000 step-up sur des box de 50 cm de hauteur, faisant référence au dénivelé. En plus de cet exploit, Michael Lopez nous fait part d'un défi supplémentaire rajouté à deux équipes, les coachs et les trailers. Ce challenge il va commencer à 5h du matin pour les filles. Nous, on va les challenger, hein. On va essayer de partir un peu plus tard. On leur laisse 2 heures d'avance aux filles. Elles devraient en avoir pour 13h. Nous, on sait que ça devrait passer en 11h. Donc l'objectif, c'est de finir autour de 18h. Et les rameurs supplémentaires seront là vraiment à disposition pour permettre à toutes les personnes qui nous connaissent ou qui veulent venir voir un petit peu comment se passe ce challenge de venir nous accompagner. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. Je vais faire un petit cri de. Tu fais tout la chaîne. Attends. 1, 2, 3, ouais, c'est parti. 5h du matin. Les équipes des Chevrettes et des adhérents se lancent dans le grand bain. Elles ont jusqu'à 18h pour atteindre leurs 3 objectifs. Ce qu'elles ne savent pas encore, c'est à quel point le défi sera difficile. Bientôt 7h du matin, les coachs et les trailers se préparent, ils seront de la partie d'ici peu et constatent à quel point le défi va être éprouvant. Le top départ est lancé, c'est avec 2h de retard qu'ils devront tout faire pour rattraper les Chevrettes, mais attention, depuis 5h du matin, elles ont élevé le niveau si haut que cela semble déjà difficile à réaliser.
Une heure plus tard, je me retrouve aux côtés de Michael Lopez. Parfaite occasion pour prendre connaissance de ses premières impressions. Bah ça va être très très long. Ça va être très long, ça va jouer là-dedans bien sûr. Ouais. Et puis bah on doit challenger les trailers donc on va pas les lâcher. Faut être raisonnable. Parce que bah, le but c'est que dans 2 heures on soit toujours au même rythme. Parce qu'on sait que les trailers eux ils vont maintenir ce rythme là pendant les 10-11 heures d'effort. Des efforts sur de très longues périodes, les trailers ont pour cela mis en place une stratégie dans le but d'optimiser les repos. En fait, on a l'habitude de faire un peu des plans sur les grands raids, donc on s'est pris au jeu et en fait, on alterne entre rameur, montée de boxe et course à pied et récup. Donc on fait 4 minutes de rameur, 8 minutes de montée de boxe, donc 2 fois 4 minutes, 4 minutes de course à pied et 4 minutes de repos. Voilà, et on répète ça toutes les 4 minutes pendant 12 heures. Et du coup, ça nous fait quelque chose de régulier, ça nous fait des récup un peu tout le temps, donc on n'a pas des grandes pauses, on va bosser toute la journée. Mais voilà, on a un rythme qu'on a pris et puis on avance bien comme ça, quoi. Et on rame toujours avec son sac à dos, hein? Toujours. Du côté des coachs, c'est une stratégie bien différente de celle des trailers. Bah ça va, on est facile ce matin, il fait chaud, il fait beau, la journée va être longue. On espère finir vers 17h30, 18h. Alors ouais, on s'est réparti de façon équitable les distances. Donc chacun doit parcourir 34 km de course, 34 km de rameur et effectuer 4000 montées de boxe chacun. En fonction des faiblesses et de la fatigue, chacun on va alterner si je dois faire plus de montées, si Mike doit courir un peu plus, on va s'arranger comme ça. Mais on est parti là-dessus. On est bien, on s'est pas fait trop distancer par l'équipe trailer masculine. Sur le rameur, on est bien, on est même devant eux. On espère qu'on va maintenir le rythme toute la journée. Au bout de 2 heures, une petite fatigue commence à se sentir, mais bon, on s'alimente bien, on boit bien, et puis ça va le faire. Depuis le début du défi, les chevrettes maintiennent un rythme très élevé. Malgré leurs efforts, les coachs et les trailers peinent à réduire l'écart. L'après-midi est entamé, comment se porte l'équipe des adhérents? Mais regarde, on n'est pas là pour la gagne, comme dirait Coubertin, l'important c'est de participer. Et c'est bien ce que feront les adhérents toute la journée, offrir des minutes, voire des heures précieuses de leur temps pour participer. Très bonne ambiance, par contre, voilà, très exigeant. Hein. Ouais. C'est un relais où il y a très peu de temps de récup, on alterne 3 ateliers, dans le rouge... Pour moi, dans le rouge à tous les tours, la cause est belle en plus, donc très bonne ambiance et sympa quoi. Bah, je pense que c'est au fur et à mesure des gars qui arrivent. Il y a un planning où il y en a qui arrivent pour un quart d'heure, une autre une heure. Bon voilà, moi j'avais 2 heures à tuer ce matin, je les ai bien tués. Durant la journée, un groupe d'enfants se joindra au défi, tout comme moi, qui finit par proposer ma participation. Ceux qui font beaucoup de kilomètres, parce que moi je viens juste de commencer, ben, chapeau hein. Vous pensez ramer combien de temps là? Ben j'en sais rien, jusqu'à ce que mort s'en suive. Je cherche le caméraman de la séance, je ne le trouve pas. Alors... Comme ça, on se cache. Ça y est, il est cuit. Laissez-moi tranquille.
les heures passent, les corps fatiguent, et un exercice pose problème à toutes les équipes, les step-up, qui mobilisent beaucoup de temps. Chez les trailers, par exemple, on adopte une nouvelle stratégie. Les montées de box sont faciles à enchaîner, ça ne nous fatigue pas trop. Donc une fois qu'on aura enlevé les box, on aura plus de temps pour faire le rameur et on pourra se reposer un petit peu plus entre les temps où on rame. Parce que là, ça commence à être dur le rameur, donc on sera plus fatigué, mais on aura plus de temps de repos. Et la course à pied, bah, en fait, c'est une... on récupère en trottinant et en faisant tous les tours, comme normalement on devrait finir bien avant le rameur. C'est le rameur qui devrait prendre le plus de temps, donc on se focalise sur le rameur, qui est toujours quelqu'un sur le rameur. Et le reste, on essaie d'avancer le plus vite possible pour évacuer ça et après tourner sur le rameur avec un maximum de récup entre les phases où on force. La fin de journée approche. À ce moment-là, nous savons que les chevrettes ne seront jamais rattrapées. Les adhérents continuent de se relayer et les coachs et les trailers donnent tout ce qu'ils ont. En voyant ces équipes fournir autant d'efforts pour ce challenge, j'ai l'impression de me sentir au milieu des trailers lors d'un grand raid. Et Solène, membre des chevrettes, semble conforter mes propos. On est dans les mêmes douleurs physiques, on est dans le même mental avec des hauts et des bas. On peut pas lâcher quand on est en équipe, c'est interdit, c'est ensemble. Tout seul, on fait rien là. C'est pour ça que j'aime bien les relais. Moi, c'est pas les montées de box qui m'ont mis en difficulté, c'est le rameur, clairement, parce que je rame depuis 3 semaines. C'est pas des mouvements qu'on a l'habitude de faire, clairement. Enfin, voilà, on est des filles de la montagne. Au-delà des équipes, le sport nous rappelle toujours, dans ce genre de moment, cet esprit qu'il génère. Cette cohésion si unique. Cela me rappelle une vidéo de Thibaut InShape, parti avec sa compagne Juju Fitcat faire une compétition de crossfit, dans laquelle il illustre, avec ses mots, cette énergie si spéciale. Ce qui est cool les gens pendant les compètes, c'est que même si on se connaît pas, comme on est tous en train d'en chier ensemble, il y a une sorte de cohésion de groupe, comme on est tous en train d'en chier, il y a vraiment une bonne ambiance, c'est vraiment sympa. C'est vers la fin que je retourne voir Michael. Il nous fait part de son avis sur ce défi. C'était plus dur que prévu. Ce qui est sûr, c'est que les filles, je sais pas où elles en sont à la course à pied, mais on risque de finir après elles. On n'aura pas réussi à les rattraper. Mais elles m'ont impressionné sur le rameur. Je pensais qu'elles auraient plus de mal à maintenir ce rythme-là, et au final, elles ont été vraiment régulières et solides. Belle expérience. Et puis après, on sait qu'on va avoir des traces. Hein. C'est-à-dire, sous le fessier, là ça va avoir les brûlures. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie des épreuves un peu d'ultra, hein, d'avoir des échauffements un peu partout. Pour les exercices, Michael nous confie que les step-up leur ont donné du fil à retordre. Compliqué, ouais. C'était vraiment l'effort difficile à enchaîner. Puis ce qui est vraiment ultra compliqué, c'est toujours compter. Le rameur, bon, il y a un moment, bon, on est capable de ramer, de faire l'exercice. Monter les steps, à chaque fois, c'est prise de tête, quoi. Donc on est là, on se dit, ah, non, je suis à combien, je suis à 15, je suis à 20. Donc dans le doute, voilà, on part sur la barre d'en dessous. Mais ça, c'était peut-être le côté un peu plus contraignant de l'exercice. Mais bon, de ce côté-là, ça fait partie du jeu aussi, quoi. Et côté stratégie, il a été difficile de garder le cap fixé en début de journée. Pourtant, on n'a pas forcément tourné comme les autres. Hein. Il y en a qui ont été vraiment stricts sur leur façon de tourner. Mais moi, j'insistais pour qu'on avance toujours sur la course à pied. Et ce qui nous a permis de rester un peu équilibré sur les trois tableaux. Enfin, Michael nous parle des chevrettes et des trailers dont il est admiratif. Ça reste quand même des super trailers, donc ils sont solides. Hein. Certains, c'est du 32 heures au grand raid, donc difficile un petit peu de les tenir. Ils sont vraiment cardio. Et sur les montées de box, ça reste quand même quelque chose qu'ils sont habitués à faire dans le trail. Donc honnêtement, ils sont plus solides que nous là-dessus. Hein. Ce que l'on retient de cette journée, outre ce challenge, c'est que rien ne freine les passions.
C'est un pari et surtout un nouvel exploit après celui de 2019 pour les Chevrettes, qui termine bien loin devant ce défi. Mais dans la tête de tous ceux qui étaient présents ce jeudi 15 octobre, personne ne finira premier ou dernier. Tout le monde était là. Tout le monde a fait 165 km pour rendre hommage au Grand Raid et 10 000 mètres pour s'élever à son niveau.